شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Toute louange et grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons d'allouer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le topic aujourd'hui nous propose l'engagement dans le social en tant que musulman. Et en tant que musulman, quand nous engageons nous, et des fondamentaux qui nous engagent nous dans le travail social, il est important et mettre l'emphase sur trois principes qui nous pouvons guider. Un, c'est la compassion. Deuxième, c'est la justice. Et troisième, c'est community welfare. Alors, en tant que musulman, qui fait nous engager nous? Premièrement, nous faisons l'intention pour qu'ils nous engagent nous. Et quand nous faisons l'intention pour nous engager dans le social, il est important qu'ils nous fassent l'intention pour que ça lui plaise à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'en retour, nous capables de gagner cette bénédiction. Et c'est ça, c'est le point fondamental qui, quand nous engagons nous, nous mettons ça comme nous niettes, comme l'intention pour qu'avant nous commençons notre travail social. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Actions are judged by intention and everyone will be rewarded according to their intention ». D'ailleurs, la même lettre finit montrer parce que c'est l'intention qu'il nous fait là, est extrêmement important. Deuxième, quand nous pécause l'engagement dans le social, nous pécause la sincérité. Quand nous faisons travail social, il est extrêmement important qu'il nous sincère dans nous-mêmes. Et dans un travail qui nous engage nous là, qui a la sincérité là-dedans, et pour qui, là aussi pareil, nous rend recognition et nous rend plaisir pour qu'Allah satisfait avec nous. Troisième point qui m'a élaboré brièvement, c'est surtout le kindness and compassion. Un musulman, quand il engage nous, et nous peut être au service des autres, au service de la communauté, ou bien même les autres communautés, il est important qu'il nous fasse avec beaucoup de kindness et de compassion. Et ça, c'est fondamental dans le travail social. Et un exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il dit « Show mercy to those on earth ». And the one in the heaven will show mercy to you. C'est-à-dire qu'on peut aider le monde et c'est mettre beaucoup de compassion, beaucoup de kindness qu'on peut aller au service des autres. La justice, il y a un point fondamental dans l'engagement social. Parce qu'il nous besoin juste qu'on peut faire un travail. Et il ne faudrait pas qu'il nous ait, comme si je dirais, par exemple, si ça c'est nos familles, ça, ben nous pouvons donner un petit avantage, ou bien ça mon camarade, ça nous pouvons favoriser au détriment d'un autre. Mais dans l'islam, tout le monde est égal. Et il est extrêmement important que quand nous engageons nous, peu importe dans quelle façon, qu'il y ait la justice là-dedans. Et le Coran dit « All you who have believed, be persistently standing firm in justice. Witnesses for Allah, even if it be against yourself, or your parents and relatives. » L'humilité. L'humilité, c'est une affaire qui est vraiment importante, surtout quand on peut engager nous. Un musulman, quand il fait le travail social, quand il peut faire seulement l'approche, il peut faire une approche avec beaucoup d'humilité. Et quand il peut faire une approche avec beaucoup d'humilité, il peut connaître seulement la limite, parce qu'il est important qu'il y ait une limite qui nous est capable de franchir et une limite qui nous n'est pas capable de franchir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Whoever humbles himself for the sake of Allah, Allah will elevate him. » Respect et tolérance. Quand nous engageons dans le travail social, il est extrêmement important, même que ce soit envers la communauté ou bien les autres communautés, parce qu'aider en tant que musulman, depuis d'abord hier, hein, nous besoin d'avoir beaucoup de respect et tolérance envers nos prochains. Et là, comme on peut cause aussi de l'engagement, il est important de nous connaître qu'il y a dans une journée, nous avons 24 heures de temps. 8 heures de temps là-dedans, nous dormons, 8 heures de temps, nous travaillons, et 8 heures de temps là-dedans, nous faisons des autres travail. Moi, je me fais l'appel à mon frère et soeur. C'est qu'il engage nous au sein de la famille. C'est vrai qu'il y a des fois, je dis, tu vois, moi, pas pour gagner des temps aujourd'hui,
Bon, pas pour gagner des temps, mais pour donner trois cartographes et travail là, artistes travail là, peut faire. Alhamdulillah, c'est du monde peut contribuer au niveau de l'argent. Mais il est important au sein de la famille et que vous passez un message à vos enfants aussi et trouvez-y des temps, que ce n'est pas un temps par semaine. Engagez-vous dans le travail social ensemble avec vos familles. Parce qu'on peut bénéficier là-dedans et vos enfants aussi pour tirer beaucoup profit de là. Merci beaucoup pour votre attention et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.